This is the last year that we're going to be making the wine in this building here. Nice building that it is, but it's a little bit disruptive on the side of the road. So we're going to move to somewhere peaceful. J'ai vu une article sur Easy Chanvre qui a gagné le médaille de bronze d'innovation à Batimat pour le produit le brick de chanvre. Notre société qui fabrique des blocs de chanvre ou des briques de chanvre comme on veut a besoin d'une image sur une réalisation très spécifique telle que celle-ci. On sait qu'on pourra monter le bâtiment, mais on voudrait aussi que ce bâtiment réponde aux attentes d'une personne qui a besoin de faire du vin. Ça va dans la démarche globale parce que le domaine il est certifié biodynamie, donc il est certifié biologique. Donc l'idée c'était de rentrer des raisins dans un bâtiment qui ait le même respect pour leur environnement que la certification biologique a sur les vignes. Et on a étudié plusieurs différentes matières. Et finalement, la matière qui correspond le plus, c'est celle qui offre Easy Chanvre. On a produit un bloc qui, en définitive, va se monter un peu comme un parpaing ou une brique et qui a la particularité d'utiliser le bois pour être renforcé. Et donc, c'est un mélange entre le maçon, le charpentier, le menuisier. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens qui vont avoir ce genre de maison prennent conscience qu'il y a un plus, et ce plus, il se traduit de toute manière entre le demandeur et l'exécuteur. Bon, l'idée, c'est de travailler en gravité, donc nous, on n'a pas creusé trop dans la terre, on a suivi la forme de la terre, puis on monte les cuves au niveau de l'arrivée des raisins, comme ça les raisins, ils arrivent au ras de la cuve, et puis après, ça tombe dans une chaie souterraine qui est dans la partie de terre où on a creusé. Et puis après, les bureaux sont en haut avec les panneaux solaires face au soleil pour être le plus efficace que possible. Mais bon, on ne peut pas le décrire et c'est bien parce que ce que Jean-Paul lui dit, c'est que ça va naître. Voilà. Marina,